croix. Au fait, nous sommes tous enchaînés. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tout ce qu'il bougera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il bouge, 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 voici comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit rouler, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il bouge, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tout ce qu'il bougera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il bouge, 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 vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit rouler, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il bouge, 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 et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seule sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Et si nous tirons tous, si on jouera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il bouge, 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 voici comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit rouler, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il bouge, 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 et nous aurons la liberté. C'est si lento, c'est la cola, il vaut des ailes, non pas doula. C'est pour qu'elle tombe, 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 dentro casa l'incella. Dio respiro por de ti, y no respiro por de ella. Un manifeste écrit par Anaïs, Ludo et Philippe. Ce sont trois militants qui ont décidé d'entamer une grève de la faim depuis la semaine dernière. Et voilà, ils ont écrit un manifeste, donc je vous le lis. Donc, ils ont commencé le 11 octobre 2021 à l'église Saint-Pierre à Calais. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, citoyennes et citoyens français, à ne plus vouloir avaler, à propos de la venue dans notre pays de personnes exilées, les demi-vérités et demi-mensonges complaisément déversés à longueur d'onde sur fond de préparation des futures élections présidentielles. Aujourd'hui, à Calais, nous sommes nombreux, citoyennes et citoyens de France, à ne plus pouvoir digérer, comme si de rien n'était, semaine après semaine, une recrudescence des maltraitances dégradantes orchestrées par la puissance publique à l'égard des personnes exilées présentes dans le Calaisie. C'est pourquoi, dans un contexte où nous venons juste d'inhumer Yasser, 20 ans, mort écrasé par un camion, et où un nouveau territoire a été interdit d'accès aux personnes exilées qui y survivaient dans un dénuement programmé, honteux à nos yeux, nous considérons être de notre devoir d'entrer dans une grève de la faim pour que soit manifestée la nécessité urgente de faire droit à trois demandes dont le simple bon sens exigerait dans une république qui prêche la fraternité, que leur satisfaction ne fasse même pas question. Les revendications sont: la suspension des expulsions quotidiennes et des démantèlements de campements durant la trêve hivernale. Durant cette même période, arrêt sans condition de toute confiscation des tentes et effets personnels des personnes exilées.
L'ouverture d'un dialogue citoyen raisonné entre autorités publiques et associations non mandatées par l'État sur l'ouverture et la localisation de points de distribution de tout bien nécessaire au maintien de la santé des personnes exilées. Voilà, à faire voir et à faire entendre à travers ce pauvre langage qu'est une grève de la faim, qu'en France et ici, à Calais, nous sommes une multitude déjà à faire corps avec les corps humiliés des personnes exilées. La fraternité que nous pratiquons avec eux au quotidien ne repose pas sur des identités de papier, mais sur l'évidence que nous partageons une même chair, tout comme nous partageons une communauté de destin avec notre planète. L'écologie intégrale est d'abord humaine, ou elle n'est pas. Merci beaucoup. Si vous voulez venir prendre la parole, vous pouvez. Je vais juste ajouter que du coup on transmet leurs paroles et ils invitent tout le monde à venir les voir à l'église Saint-Pierre, donc place Crèvecœur, dès ce soir, si vous voulez aller leur faire un coucou. Ils seraient très contents de voir du monde, ils accueillent tout le monde. Et voilà, c'est leur c'est le septième jour aujourd'hui. Demain ça sera le huitième jour de la grève de la faim. Et du coup avec eux c'est ce message là qu'on a voulu porter aujourd'hui. Et merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux voir cette marionnette. Bravo. Bravo à tout le monde et à toutes les personnes qui se sont investies. Les enfants qui ont fait parler de la manifestation en collant sur les panneaux d'affichage, en parlant à tout le monde. Les cerfs-volants ont été fabriqués à partir des tentes qui sont déchirées chaque jour par la police et confisquées et détruites. Donc c'était un symbole très fort de les réutiliser dans une façon positive et comme quoi on peut transformer cette énergie et montrer que tous ensemble on peut faire bouger les lignes quoi. Voilà. Merci à tout le monde. Bravo.